il faut battre les records de la planète entière là. L'humour comme solution pour faire oublier la peur de la piqûre. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, même si les Français sont conscients de l'importance de donner son sang, seuls 4,5% franchissent le pas. Eh bien, j'ai reçu l'info. Tu le connais ? Ah, c'est bien. Et je vais réfléchir. Pour Amélie, pas besoin de tout ce cirque. Habituée à donner son sang depuis des années, elle a pris sur son temps de travail pour venir cet après-midi. Mais avant le prélèvement, il faut commencer par remplir un formulaire où il lui sera demandé, entre autres, ses antécédents. Après une brève visite chez le médecin, c'est son tour. Je donne tous les 4-5 mois, je pense, à peu près. Mais en fait, les femmes ne peuvent pas donner aussi souvent que les hommes. Mais j'essaie de donner assez régulièrement. Non, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, ce que je vous disais, le temps de remplir les formulaires, de voir le médecin, le prélèvement et ensuite de manger et boire quelque chose pour repartir requinqué. Voilà. Donc trois quarts d'heure maximum. À l'approche des vacances scolaires, le besoin en sang se fait plus grand, d'où l'importance de cette journée mondiale, il faut le rappeler. L'établissement français du sang s'adapte également en allant chercher les donneurs là où ils sont. Mais en été, on modifie notre stratégie pour aller chercher du sang chez principalement des touristes. Donc des gens qui viennent dans notre région et qui vont donner sur les bords de mer, qui vont donner dans les zones touristiques. Et pour pouvoir faire ça, on change un peu notre façon de travailler. En été, on a toujours les malades dans les hôpitaux qui ont toujours besoin de sang et besoin d'être transfusés. Donc voilà pourquoi à l'entrée de l'été, on a besoin d'une opération forte pour rappeler aux gens qu'il faut être mobilisé et qu'on a besoin de sang toute l'année. Et pour finir, sachez qu'un centre de collecte est installé sur l'esplanade Charles de Gaulle tous les jours de 15h à 18h30.